6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Israël qui a riposté, l'Iran qui riposte à l'attaque de son consulat à Damas en représailles à l'élimination d'un haut responsable des gardiens de la révolution tuée en Syrie. Une attaque sans précédent, Linda. La première mesure par l'armée israélienne a été de brouiller le système GPS afin de dérouter la trajectoire de missiles et de drones que l'Iran pouvait lancer pour la première fois à partir de son territoire en guise de représailles à l'élimination d'un général et de ses éléments, un général qui appartenait à Fayl al-Quds, lors d'un raid aérien à Damas. L'Iran a considéré ce raid contre son consulat en Syrie comme un acte de guerre auquel Téhéran a promis de répondre. Histoire de ne pas être surprise par les représailles évoquées par les dirigeants iraniens, l'armée israélienne a renforcé avec l'aide des États-Unis et de leurs porte-avions les unités de défense aérienne tout en mobilisant de nouveaux réservistes. Alors pourquoi peut-on se demander, s'interroger, pourquoi Israël, qui a si peur des représailles iraniennes, s'est permis de telles attaques, sachant que Téhéran a les moyens de mener à bien une belle riposte? Eh bien d'abord parce qu'Israël a perdu sa guerre contre la résistance palestinienne et qu'il lui fallait entraîner ses alliés dans un conflit plus large, pouvant aller au-delà de ses frontières, et surtout réunifier la rue israélienne qui commençait à se fâcher sérieusement contre le gouvernement de Netanyahou. Ensuite, parce que l'Iran dispose de missiles d'une portée de 2000 km, des missiles susceptibles de raser des cibles stratégiques, telles que le ministère de la Défense à Tel Aviv, les sièges des institutions israéliennes, mais également les raffineries de Haïfa, les centrales électriques, les hôpitaux ou encore les bases militaires. Pour rappel, l'Iran et le Hezbollah ont été accusés d'avoir commis toute une série d'attentats, notamment en 92 et 94, contre l'ambassade d'Israël et le siège d'une organisation juive à Buenos Aires qui avait fait 114 morts. D'autres attentats ont eu lieu en Bulgarie, en Inde, en Géorgie, en Thaïlande et en Azerbaïdjan. Téhéran vient de signifier à l'ONU que pour l'heure, l'Iran allait se contenter de l'opération Promesse Honnête. L'honneur est sauf. L'Iran ne veut pas provoquer un conflit régional qui risque de reconfigurer tout le Moyen-Orient et profiter à Israël et à ses puissants alliés en leur donnant un casus belli pour attaquer Téhéran. L'Iran compte aussi sur l'intervention de ses alliés qui vont maintenir la pression dans le Golan, le Kurdistan irakien et Bab el-Mandeb, car Téhéran sait qu'Israël va revenir à la charge, non seulement pour avoir le dernier mot, mais surtout pour rester le seul gendarme du Moyen-Orient.